dans cette nouvelle édition ce mardi 6 juin 2023. Tout de suite les titres. La fondation Friedrich Ebert Stiftung, initiatrice de la charte de bonne conduite et son comité de rédaction, ont présenté aujourd'hui la loi régissant cette charte qui a créé des controverses ces derniers temps. Avec le temps électoral qui profile à l'horizon, la FES s'est engagée à accompagner les acteurs du milieu politique en contribuant au renforcement de leurs capacités et en apportant son appui dans l'élaboration d'une charte de bonne conduite des partis politiques. La mise en place d'une transition est une perspective véhiculée par les membres de l'opposition. Selon le député IRD élu dans le 6e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo, la peur des membres de l'opposition de perte à l'élection présidentielle prochaine les pousserait à adopter cette stratégie d'après toujours ce député du 6e arrondissement. Le régime actuel est prêt pour la mise en place du processus électoral selon ses dires. Un problème a été constaté avec l'enregistrement des noms des prisonniers lors de l'inspection surprise effectuée par la garde des Sceaux à la maison centrale d'Antanmour. Certains prisonniers ne sont pas inscrits dans le registre de la prison alors qu'ils y sont bel et bien incarcérés. De nouvelles stratégies telles le recours à la digitalisation sont mises en place pour pallier ce genre de faille, a déclaré le directeur général de l'administration pénitentiaire. L'agent double Robert Hansen, au cœur d'une affaire d'espionnage les plus désastreuses pour les États-Unis, est mort lundi 5 juin à 79 ans dans la prison où il était incarcéré depuis 2002, ont annoncé les services pénitentiaires américains. À l'une de l'actualité, secteur politique, la FES, Fondation Friedrich Ebert Stiftung, initiatrice de la charte de bonne conduite et son comité de rédaction ont présenté à la presse des articles contenus dans cette charte qui a créé des controverses ces derniers temps avec le contexte électoral qui se profile à l'horizon. La FES s'est engagée à accompagner les acteurs du milieu politique en contribuant au renforcement de leurs capacités et en apportant son appui dans l'élaboration d'une charte de bonne conduite des partis politiques élaborée dans le dessein de faire respecter l'éthique et la morale. Cette charte n'est pas contraire aux lois existantes. Jusqu'à présent, 10 partis politiques ainsi que des groupements de la société civile l'ont avalisée. Les chefs de parti signeront la charte le 20 juin prochain. Reportage réalisé par Sibela Ranjemazav et Fetjanje Valanzar. Les discussions menées par la Friedrich Ebert Stiftung autour de la charte de bonne conduite des partis politiques se sont poursuivies aujourd'hui. Elles ont été l'occasion de recueillir les recommandations venant des participants, selon toujours les précisions. Environ 250 participants issus des partis politiques, PSD, AREMA, Leader Fanil, AVI, TIM, TGV, HVM, MMM, RDS et MTS, ainsi que des organisateurs de la société civile ont participé à une série de dialogues multipartis grâce auxquels ils ont réalisé l'importance de leur rôle en tant qu'acteurs principaux du processus électoral. La charte n'est pas contraire aux lois électorales en vigueur actuellement. Elle est même conçue pour établir les cadrages de l'éthique et de la morale. Tous les partis politiques ont été consultés lors de la rédaction de cette charte parce que l'on a eu recours à un processus ouvert. D'après le comité de mise en œuvre et de suivi, le code de conduite contient 11 articles détaillant l'application de la charte, les engagements des parties signataires de la charte, les dispositions finales et le suivi de la charte. Un accent particulier a été mis sur le respect de la démocratie, le respect du résultat des élections et la prévention des fraudes électorales. La charte de bonne conduite des partis politiques qui sera signée par les chefs de partis politiques le 20 juillet prochain a été présenté à la presse aujourd'hui. Restant toujours dans ce domaine politique, les partis politiques se renvoient la balle. Concernant l'idée d'une transition à laquelle aucune entité à Madagascar ne semble adhérer, mais qui devient pourtant un thème récurrent chez les politiciens malagas, cette fois c'est aussi au député IRD élu dans le 6e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo d'affirmer que la mise en place d'une transition est une perspective véhiculée par les membres de l'opposition par peur de perdre aux élections. Le régime actuel est prêt pour la mise en place
place du processus électoral, toujours selon les affirmations propos recueillies par Mikaran Djembolaz sur les images de Arfi Dirakotmanal. L'idée de la mise en place d'une transition est ourdie par l'opposition de l'avis du député IRD élu dans le 6e arrondissement de la commune urbaine d'Antananarivo, ceux qui réfutent de leur côté les principaux chefs de file de l'opposition. Toujours selon le député IRD élu dans le 6e arrondissement de la capitale, l'opposition prévoyant sa défaite à l'élection présidentielle tente de recourir à cette manœuvre dilatoire. De son côté, le régime en place est actuellement opposé à cette perspective d'une transition. Le gouvernement est en train de mettre en place le processus électoral, notamment par la sensibilisation et le soutien dans la réalisation de la liste électorale. En même temps, le régime Radzuel se concentre sur le volet social de la population, pour ne citer que ses récentes réalisations en matière d'infrastructure au profit de la population du 6e arrondissement de la capitale, dont notamment la réhabilitation de rues, de ruelles, d'écoles primaires publiques, de CSB2, entre autres. Les projets de développement et de prise en charge sociale se poursuivent dans cet arrondissement de la capitale, selon le député IRD élu dans le 6e arrondissement de la capitale. Un problème a été constaté avec l'enregistrement des noms des prisonniers lors de l'inspection surprise effectuée par la garde des Sceaux à la maison centrale d'Antanmour. Certains prisonniers ne sont pas inscrits dans le registre de la prison alors qu'ils y sont bel et bien incarcérés. De nouvelles stratégies, telles le recours à la digitalisation, sont mises en place pour payer ce genre de failles, a déclaré le directeur général de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, le directeur général de l'administration pénitentiaire s'est vu remettre officiellement son drapeau de commandement. Ce dernier a affirmé être prêt à s'investir pour améliorer et à rendre toujours plus efficaces les méthodes de travail en cours dans la prison d'Antanmour. Un reportage réalisé en tandem par Gracien Jetitwirn et Yves Rassata. Lors d'une inspection surprise de la ministre de la Justice à la prison d'Antanmour, dans la nuit du 3 juin, il a été constaté que certains des noms de prisonniers qui y sont incarcérés actuellement n'avaient pas été consignés dans le registre de la prison. Il existe une nouvelle façon d'enregistrer les noms des détenus, permettant de faire la distinction entre ceux en attente de jugement et ceux qui ont déjà été jugés. En outre, dans l'optique d'une amélioration constante des méthodes de travail, la digitalisation a aussi été mise en place, a déclaré le directeur général de l'administration pénitentiaire. À part le problème de la liste des détenus, la ministre a mis l'accent sur la question de l'égalité de traitement des prisonniers et de leurs droits. Les prisonniers doivent en effet bénéficier d'un traitement égal, que ce soit au niveau des lieux de détention ou dans l'exercice d'un travail hors de la prison. Pour ce dernier cas, seuls ceux qui satisfont aux exigences de la loi doivent recevoir l'autorisation de sortie. La cérémonie de remise officielle du drapeau de commandement au nouveau directeur général de l'administration pénitentiaire, Arsène Naralson, a eu lieu ce jour à Ivat sous la houlette de la ministre de la Justice, Linde Moulati Narendji Amanatenassou. La commune de Foutadjev, dans le district d'Impani, n'avait plus accès à l'électricité depuis des années après l'endommagement du groupe électrogène de la Djirama. Suite à la collaboration entre le ministère de l'Énergie et le député d'Impani, la commune de Foutadjev bénéficiera à partir du mois d'août un accès à l'électricité d'origine hybride, fournie en même temps par des dispositifs solaires et par un groupe électrogène. Mesure qui permet de contourner le phénomène de délestage qui prend de l'ampleur dans toutes les régions. De plus, le district d'Impani sera aussi doté de lampes Cobra pour l'éclairage de la ville, d'après les informations émanant du ministère de l'Énergie. Reportage signé sur Abarzon et Fetchenjabanzar. Finalisé en 2019, l'accord de coopération pour l'obtention de cette source d'énergie renouvelable au profit de la commune de Foutadjev dans le district d'Impani sera mis en œuvre au plus tard au mois d'août, d'après les explications du député d'Impani. La population de la commune de Foutadjev a vécu sans électricité depuis des années après que le groupe électrogène de la société fournisseuse d'électricité Djirama a été endommagé.
À l'occasion de la fête du retour de l'indépendance, un essai en fourniture d'électricité de 10 jours sera au programme si l'approvisionnement régulier est prévu débuter au mois d'août 2023. La perspective de bénéficier de cette énergie d'origine hybride, fournie conjointement par des sources solaires et thermiques, représente une opportunité pour la commune de Foutadjev. Sa réalisation sera assurée grâce au crédit d'investissement destiné à l'appui au développement reçu par le député de la localité en 2022. Les bénéficiaires ne feront pas l'objet d'une facturation excessive par rapport aux autres abonnés de la Djirama. D'après les explications, la commune de Foutadjev pourra désormais tirer profit de l'utilisation d'une énergie renouvelable grâce à la collaboration entre le ministère de l'Énergie et le député d'Impani. De plus, des lampes Cobra vont éclairer la ville d'Impani d'ici quelques temps suite aux négociations entre les députés d'Impani et le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie. La mise en place de l'énergie solaire est une solution au délestage qui tend à prendre de l'ampleur partout dans la grande île, a tenu à souligner le député d'Impani. Alors, un Batunjazaka dans les détails d'information suivante. Le nombre d'étudiants universitaires ne cesse d'augmenter chaque année dans la région à Lautchamangour. Alors que les infrastructures font défaut, les dépenses liées à la location de salles pour les cours, à l'hébergement des enseignants ainsi qu'au déplacement de ces derniers accaparent donc la majeure partie du budget de l'université d'Ambatunjazak. Aussi, la construction de nouvelles infrastructures à Manakambayin dans le district d'Ambatunjazak résoudra ce problème d'accueil des étudiants. Toutefois, l'existence de cité universitaire ainsi que de logements sur place reste une faille, selon les précisions recueillies sur place par Mamti Najemboloul et Sainte Tchadiamounj. Les travaux de construction de la nouvelle université d'Alaouchamangour à Manakambayin et Batunjazak sont achevés à 60%. Les grosses œuvres sont en cours de finition actuellement après une suspension temporaire des travaux pendant 2 mois pour des problèmes de financement. Une fois les travaux achevés, les cours des étudiants en Boutslos ne seront transférés à Manakambayin. Une dizaine de salles de cours, un amphithéâtre de grandes salles ainsi qu'une salle de restauration seront construites ici. Une mesure prise dans le but de résoudre le problème d'infrastructure dont souffre l'université de la région d'Alaouchamangour, d'après les explications. En effet, cette université est contrainte de louer des salles en Boutslos dans Batunjazak pour que les enseignants puissent dispenser les cours aux étudiants. Or, le nombre d'étudiants universitaires ne cesse d'augmenter chaque année. De 800 en 2022, le nombre d'inscrits est de 1000 pour cette année, selon les précisions. Les loyers des salles pour les cours, les frais d'hébergement des enseignants ainsi que ceux de leur déplacement accaparent une grande partie du budget de l'université. L'obtention de ces nouvelles infrastructures est donc une solution qui va permettre d'amélioration de la qualité de l'enseignement. Cependant, le problème de l'inexistence de logements destinés aux étudiants et aux enseignants reste en attente d'une solution dans la mesure où Manakambayin se situe tout de même à 20 km du chef-lieu de la région. Seront des solutions pour nous ici à Lautchamangour parce que c'est vrai que on a déjà 2 infrastructures qu'on utilise en ce moment, mais c'est pas suffisant pour nous. Nous avons en ce moment 1150 étudiants. On sait maintenant, on dispose de 10 salles de classe et bon, c'est pas bien assez pour nous. Hein. Et surtout, on a des problèmes à propos des dortoirs pour les étudiants. Hein. Il n'y a pas beaucoup de capacité d'accueil pour le logement pour les étudiants. Et donc, on demande si possible, si on peut avoir des dortoirs comme les autres instituts et les autres universités. Les mentions 3, gestion et économie et agronomie sont actuellement les mentions enseignées à l'université d'Alaouchamangour.
Concernant les actualités internationales, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, le prisonnier Robert Hansen était vu comme l'un des plus grands parias, l'agent double, au cœur d'une affaire d'espionnage les plus désastreuses pour les États-Unis, et mort hier à 79 ans dans la prison où il était incarcéré depuis 2002, ont annoncé les services pénitentiaires américains. Reportage de France 24. Derrière son large sourire, la duplicité de celui que le FBI considère comme l'espion le plus nuisible de son histoire. Robert Hansen, un agent du FBI devenu en pleine guerre froide, agent double pour Moscou. Selon un communiqué du Bureau fédéral des prisons, il est mort lundi à l'âge de 79 ans dans la prison du Colorado où il purgeait une peine de réclusion à perpétuité depuis 2002. Recruté par le FBI en 1976, Robert Hansen gravit les échelons du contre-espionnage jusqu'à devenir expert des opérations soviétiques, puis chef d'une unité de la division du renseignement. Mais en 2001, il est arrêté, pris en flagrant délit alors qu'il s'apprête à déposer sous un pont des documents ultra-secrets. En réalité, il a opéré durant au moins 15 ans sous l'alias Roman Garcia, livrant aux Russes quelques 6000 pages de documents secrets, des plans militaires, des logiciels de contre-espionnage, mais aussi les noms d'agents doubles soviétiques, dont 3 ont depuis été exécutés. Une trahison qu'il explique par l'appât du gain. Pour ses services, il a obtenu au total 1 400 000 dollars en cash et en diamants. Mais pour ne pas éveiller les soupçons, ce père de famille de 6 enfants a adopté un mode de vie modeste. Il vivait dans cette maison de banlieue en Virginie. Des précautions telles que les Russes eux-mêmes auraient ignoré jusqu'au bout son identité. Son histoire a depuis un... Les actualités au Brésil, cette fois au Brésil dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, le président brésilien Lula da Silva a présenté hier un nouveau plan de lutte contre la déforestation illégale en Amazonie, l'une des priorités de son gouvernement depuis son retour au pouvoir. Les détails sur France 24. Le Brésil doit redevenir une puissance protectrice de l'environnement. L'engagement du président Lula est clair. Avec ce nouveau plan, il veut tourner la page de ce qu'il décrit comme 4 ans d'indifférence et d'abandon à l'égard de la forêt amazonienne. Nous venons de relancer le plan d'action et de lutte contre la déforestation en Amazonie. Lors de mes deux premiers mandats, une version antérieure de ce plan avait produit la plus importante réduction de la déforestation en Amazonie de toute son histoire. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle a en moyenne augmenté de 75%. Pour son successeur, la protection de ce poumon vert est au cœur même de sa politique environnementale. Avec la forêt amazonienne, le Brésil est en grande partie responsable de l'équilibre climatique mondial. C'est pourquoi arrêter la déforestation en Amazonie est aussi un moyen de réduire le réchauffement climatique. Je suis conscient de l'ampleur du défi de mettre fin à la déforestation d'ici 2030, mais c'est un défi que nous sommes déterminés à relever. Parmi ses engagements, le président veut combattre l'exploitation minière illégale, l'exploitation forestière, ainsi que le braconnage dans les territoires autochtones. Le nouveau plan prévoit l'augmentation des moyens alloués à la surveillance de ce territoire de près de 7 millions de kilomètres carrés. Mais les attentes sont immenses. Pour éviter un point de non-retour, le Brésil doit reboiser les forêts amazoniennes sur un terrain grand comme deux fois l'Allemagne. Une mission longue et coûteuse, à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et c'est ainsi que cette édition prend fin. On se retrouve plus tard dans le journal en version malgache à 19h30. À tout de suite.